J'aime les caresses, j'aime qu'on soit doux avec moi. Avec lui, c'est immédiatement et puis c'est fini. C'est pas comme ça qu'on fait jouer une femme. Hein. L'amour, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose comme quand on est enfant et qu'on nous berce. Moi, je veux bien faire tout ce qu'il veut, mais pas comme ça, pas dans ces conditions-là, à la va-vite, comme des bêtes. Hein. Puis j'ai horreur des gros mots. Par exemple, il appelle ça une bite, une pine, une queue. Ça me choque, c'est des mots que j'aime pas. Surtout bite, tu trouves pas? Tant qu'à faire, s'il faut choisir, j'aime encore mieux pine. C'est plus doux pour une femme. Qu'on dise chatte, ça je l'admets. C'est un mot plus mignon. Quand je monte mes seins comme ça, les gens hésitent vachement. Entre regarder là, entre les seins, ou dans les yeux. Ils sont tout agités. Parce qu'ils ont peur d'être surpris en train de me mater les seins. Moi, même si je les montre pas, il me semble qu'ils regardent que ça. Un jour, j'ai entendu Jane Birkin dire que de toute façon, les seins, ça se voit dans les yeux. Elle qui en a pas, enfin disons très peu, bah, elle a toujours vu une sorte d'étincelle dans les yeux de celles qui ont des vrais beaux seins. Une manière fière de porter le regard, de vous regarder droit dans les yeux. Oui, mais justement, elles regardent droit dans les yeux pour pas qu'on les regarde dans leurs seins. Si je peux dire. Tu dis rien? Tu m'aimes pas trop, toi, hein? C'est vrai, mais je sais pas pourquoi. On va trouver. Pipi. Oh, di, do, di, do, da. Je ne sais quoi d'un garçon manqué. Oh, di, do, di, do, da. Les autres filles ont de beaux nichons. Et moi, je reste aussi plate qu'un garçon. Que c'est cool. Oui, de l'idouta. J'ai je ne sais quoi. Ton style, c'est ton cul. Ton style, c'est ma loi. Quand tu t'y plies, salope, c'est le feu avec clope. Ah putain, j'ai trop envie de faire une clope pour le temps. On se promène, Boblon. Quel est le nom que tu donnes au sexe des filles, toi? Le roquet a une proposition. Si c'est pas la bonne, on te viole. Chat. Redis-le. Chat. Hé, file-moi une clope. Moi aussi. Moi aussi. Il suffit d'un baiser pour faire connaissance des fois. Tout à fait. Ça me rappelle quand j'étais petite à Lourdes. J'avais vu une femme grimper sur le rocher où la Vierge Marie est posée. Elle voulait absolument embrasser la statue, les gens criaient à la folle. Moi, je trouvais qu'elle avait vachement raison. Quand elle est redescendue, elle était toute calme. Elle s'est déshabillée et elle s'est jetée dans le gave. Dans le grave ? Dans le gave. C'est le cours d'eau qui traverse Lourdes. C'est plus gros qu'une rivière, moins large qu'un fleuve et aussi rapide qu'un torrent. Bernadette le traversait quand la Vierge lui est apparue. Venez, nous allons le remonter jusqu'à la source. Et plus rien ne sera comme avant. De la nuit.
Un Martin G. Si frêle qu'elle se pose à peine en marchant. Elle est où ta boîte? À la porte, Sandy. J'aperçois la porte Sandy. On est belle et inutile comme cette porte. 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 On n'a plus qu'à aller au pute. Au bordel.